Bonjour, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Tout simplement, je veux vous faire savoir et je veux vous encourager à continuer à croire en vous comme je crois en moi-même. Nous sommes aussi pauvres de pas mal de choses, mais nous ne devrons jamais perdre confiance et perdre la foi de nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma chaîne YouTube, ma propre chaîne YouTube où il n'y a que 524 abonnés. Mais aujourd'hui, il se passe directement les publicités. Et si vous voulez entrer dans le domaine de la monétisation sur YouTube, il te faut deux conditions sine qua non. La première, c'est d'avoir 1000 abonnés. Et la seconde, c'est d'avoir 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'heures selon lesquelles des personnes ont regardé votre tuto pour que vous permettez directement d'entrer à la monétisation. Et cette monétisation-là, c'est pour que YouTube passe de publicité à votre chaîne. C'est aussi simple que ça. Mais dans ma propre chaîne, cela est le contraire. Pourquoi cela? Je vais vous expliquer très bien. Premièrement, il faut respecter les règles de YouTube. Il ne faut pas violer aucune règle. Et si vous regardez très bien, vous voyez très bien ici. Et si je clique là, vous le voyez aussi que la publicité continue directement à passer. C'est moi-même que j'ai fermé automatiquement la voix pour que ça nous dérange de ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Alors, restez attentifs, regardez ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre directement qu'est-ce que j'ai passé pour que j'ai arrivé à ça. Alors, le pub passe, c'est bien. Et moi-même, je suis fier. Mais je veux vous expliquer que moi, je n'ai pas arrivé à toutes ces conditions selon lesquelles YouTube permet directement qu'on passe de publicité à notre chaîne. Alors, on va directement entamer cela avec beaucoup d'attention en vous montrant directement à ma propre chaîne. Vous voyez ici, et si vous regardez ici là, vous pouvez voir que je suis là avec le 524, mais aussi à 1524 heures de visionnage. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que on m'a jamais averti de n'importe quelle infraction de règlement de YouTube, ce qui fait que j'ai zéro avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté. C'est cela qui a permis directement par rapport à ma chaîne et par rapport aux heures selon laquelle j'ai pas le droit directement de postuler, mais eux, ils en ont le droit de me donner confiance en totalité qui commence directement à faire les publicités dans ma propre chaîne, mais aussi que le jour que j'aurai les heures nécessaires et le nombre d'abonnés nécessaires, j'aurai déjà énormément de l'argent de Halis. Et cela, tout le mérite revient à vous, mes chers abonnés, que vous regardez mes chaînes, que vous me faites aussi confiance, que cet argent-là ne m'aime pas à moi et à vous. En tant qu'un être humain aussi pauvre que je suis, je remercie à toute personne qui s'est abonnée à ma chaîne, mais aussi à vous encourager. Vous, les youtubeurs comme moi, de faire la même chose, de croire en vous.
Cette chaîne n'est pas une chaîne d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas ouverte hier. Je ne l'ai pas fait avant-hier. Je ne l'ai pas fait l'année dernière. Mais depuis l'an 2014. Et pourtant, je ne suis pas arrivé à 1000 abonnés. Comme il y en a des autres qui sont déjà arrivés à 1000 abonnés alors qu'ils ont fait moins d'un an. Mes chers amis, frères, pour savoir cela, il suffit que vous venez ici. Vous cliquez à votre chaîne, vous allez automatiquement. Je veux reculer un petit peu pour vous montrer cela d'une manière totalement claire. Alors, nous revenons directement ici. Là, c'est ma chaîne. Je vais cliquer ici là. Il va m'afficher beaucoup de choses, mais je vois directement, il y en a YouTube Studio. Dès que vous allez cliquer là-dedans, c'est aussi simple que ça. YouTube Studio va s'ouvrir et on va voir en visitant un par un tout ce que ça se trouve là-bas. Ça, c'est le tableau de bord de ma chaîne. Ceci, c'est ma dernière vidéo sur Zabbix. C'est un logiciel de supervision réseau. C'est très important à regarder. Mais aussi, on va y aller automatiquement descendre ici là. Si vous voyez dans le tableau de bord, vous pouvez trouver monétisation. Et en cliquant monétisation, vous verrez automatiquement ce que j'étais en train de vous montrer ici. En parlant de règlement, il suffit de cliquer ici et vous pouvez voir le règlement. Mais comme aujourd'hui, je vous parle de l'argent, vous pouvez aller lire tout le règlement. Et comme aujourd'hui je vous parle de l'argent, on va aller rapidement visiter notre fameuse crypto-monnaie. Qu'est-ce que nous sommes en ce moment? Et on va cliquer directement ici et vous verrez que on est à 3470. Ça, c'est le fameuse crypto-monnaie. Et le jour qu'on va terminer ce zéro-là, on serait aussi des millionnaires. Alors, pour cela, si ça vous intéresse directement à entrer là-dedans, je vais vous partager ma propre lien ici de crypto-monnaie. Il suffit directement d'utiliser cette application. J'ai fait une vidéo avec. Comme vous voyez ici, vous pouvez voir automatiquement que je utilise le même application pour regarder des vidéos ou bien pour faire tout ce que j'en ai envie directement de faire. Cela ne me dérange rien du tout. Je regarde mes vidéos ici, mais aussi je gagne directement de l'argent. Je l'ai bel et bien expliqué dans un autre tuto. Alors je vous laisse en description ma propre directement crypto table, c'est à dire le crypto monnaie. Vous pouvez gagner énormément aussi de l'argent, du peu. Au moment que vous utilisez votre ordinateur en réseau, il va directement commencer à faire le ménage et cela va vous permettre directement de gagner énormément de l'argent facilement. Et au fur et à mesure, si à un bon jour vous avez perdu cet ordinateur, vous aurez forcément l'argent nécessaire pour aller acheter d'autres ordinateurs, mais aussi à commencer à penser à votre avenir. Comme vous savez, moi et vous, nous sommes pauvres. Et à cette pauvreté, personne ne peut pas directement nous donner la main en nous donnant de l'argent pour réaliser notre projet de rêve. Et c'est ainsi que nous doit, que nous devrons se débrouiller. Parce que sans ce YouTube et les crypto-monnaies qui ça se trouve, je ne crois pas que nous pouvons trouver cet argent-là facilement. Je suis pauvre et très pauvre même, moi que je vous parle. Et je prie à Dieu de m'écarter de cette pauvreté. Mais pendant ce temps, je dois directement accepter la réalité et commencer à m'investir ainsi. Alors, si vous êtes aussi comme moi, c'est le moment de y penser. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Mais surtout,
continuer à croire en vous.